Regardez, hein? Regardez, regardez. Quand je vais parler, on va dire après que Franco, tu as vu quoi derrière le type là? Tu as vu quoi derrière Francis Ngannou? Tu cherches quoi derrière Francis Ngannou? Je cherche quoi derrière Francis Ngannou? Regardez vous-même l'image. Regardez Ngannou, comment il joue avec les enfants là-bas en Côte d'Ivoire. Regardez, il s'amuse, il joue bien. Montrez-moi une autre image comme ça au Cameroun, je vois. Congo, tu cherches les poux sur la calvitie de Francis Ngannou. Je suis le fan de Francis Ngannou. Donc, tout ce que Ngannou va faire, moi, je vais commenter. C'est ça qu'on appelle le fanatisme. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Montrez-moi une image. Regardez vous-même. Est-ce que c'est une chose, c'est l'audio, c'est la vidéo, vous-même, vous ne voyez pas. Regardez comment Ngannou se sent heureux. En Côte d'Ivoire, il joue, il s'amuse. Partout, il passe. C'est ce qui s'est passé tout récemment ici au pays. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Vous allez dire qu'on bavarde, on bavarde. On bavarde quoi? Bon, maintenant, je vais vous présenter une autre image du 237. Regardez un peu cette image. Vous avez compris, non? Hey, pardon, arrêtez. Un peu de, hein, de tenue. Donc, vous savez, les gars veulent faire des selfies avec Ngannou. Ça devient quoi? Ne confondez pas les pédales. Je n'ai rien contre ça, c'est normal parce qu'on ne va pas l'envahir n'importe comment. C'est quand même un champion du monde. On ne va pas venir faire n'importe quoi avec le champion du monde. Mais de l'autre côté, vous voyez comment il s'amuse dingue. Vous allez dire que Franco fait toujours les analyses bidons. Il n'y a pas de problème. Je vois certains disent que il est à l'aise là-bas parce que les Camerounais ne l'ont pas bien accueilli et tout, machin, truc, tout ça. Je vous ai dit depuis que peut-être sont les gens du haut là-bas. Mais en ce qui concerne les Camerounais lambda, le bas peuple là, regardez un peu ça quand il était sorti champion au MMA aux États-Unis. Regardez un peu qu'il arrive au Cameroun pour la première fois avec sa ceinture. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle les archives. Regardez. Je suis tellement fier parce que c'est mon idole d'abord de 1. Le Cameroun est tellement fier de lui. Ce monsieur vaut de l'or. Nous, peuple camerounais, la jeunesse camerounaise doit rêver. Nous allons rêver jour et nuit parce qu'il nous a montré comment on peut réaliser un rêve même de quittant de rien. Je suis fier de voir Ngannou, le champion des champions. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui est ma motivation, qui est ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Je ne suis pas une légende, je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Et le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. Ok, vous avez bien écouté, non? Montrez-moi une image, vous là, vous les Ivoiriens que vous bavardez, que vous l'avez manqué de respect au Cameroun. C'est pour ça qu'on l'accueille, comme un digne roi et un champion, machin truc. Montrez-moi une image pareille. Voilà comment un champion était reçu dans son propre pays. Vous pensez que vous bavardez, vous parlez même quoi? Hein? Donc, moi, je continue à dire que Francis,
après son accueil là, je ne sais pas, il y a un petit problème là que moi je vais vous dire ça. Et un jour, vous savez qu'il est trop technique, non? Un jour, il va vous dire, ne soyez pas pressé. Un jour lui-même là, il va rester dans un plateau comme ça, il va dire que voici ce que moi je reproche de certains Camerounais. Voilà ce qui m'énerve. Vous allez entendre ça un jour. Partagez-moi la vidéo là. Hey, c'est quoi? Quand je cherche les infos comme ça là, vous jouez. Si tu es nouveau, abonne-toi. Toi, Général Franco. Ciao. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.